Bonjour à tous. Pour nous mettre à l'écoute de l'Écriture, nous allons d'abord appeler l'Esprit Saint. Il est le Maître intérieur, il est le premier auteur des Écritures. Nous avons d'abord à nous mettre à son écoute pour lui demander de donner vie à cette parole, qu'elle devienne en nous une lumière, qu'elle transforme notre vie. Et pour cela, demandons d'abord à avoir des oreilles de disciples, désireuses de recevoir, d'accueillir, de nous laisser imprégner par cette parole et que cette parole, à son tour, transforme notre vie. Alors, ensemble, appelons l'Esprit Saint. Tu es le Père des pauvres. Viens, viens en nous. Donne vie à la parole en chacun de nous. Un mot maintenant de présentation pour cette nouvelle série. Je suis le Père Bernard Maviel, prêtre de Notre-Dame de Vie. Et je travaille au studium de Notre-Dame de Vie à Saint-Didier comme professeur. C'est mon ministère principal. Alors, nous allons retrouver donc les lectures du cinquième dimanche de Carême. Et pour commencer avec l'évangile de Jean, je crois qu'il est important d'avoir un petit peu le contexte. Que s'est-il passé les jours qui précèdent? Eh bien, la veille de la scène que nous rapporte Jean ici au chapitre 12e, la veille a eu lieu la résurrection de Lazare. C'est évidemment le signe le plus impressionnant que Jésus ait posé jusqu'à présent. Cet homme était au tombeau déjà depuis plusieurs jours. On a même ce détail très, 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 très concret. Il sent déjà, et malgré cela, Jésus a été capable, par sa puissance, de le faire revenir à la vie. Lazare est ressuscité des morts. Et l'événement est tellement important, il a une telle répercussion, que les pharisiens, qui déjà sont en procès avec Jésus, qui veulent le réduire au silence, qui veulent se débarrasser de lui, vont envisager désormais non seulement sa mort, mais aussi celle de Lazare, parce que Lazare est devenu un témoin trop encombrant, un témoin vivant de la puissance de Jésus. Donc déjà, cet événement la veille, et puis on pourrait dire le matin même, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus acclamé par des chants, par le Hosanna qui monte, Jésus reconnu comme fils de David. Et donc déjà, par une bonne partie de la population de Jérusalem, il est le Messie, reconnu comme le Messie. Donc il faut, je crois, avoir déjà ce contexte bien présent à l'esprit, et nous mettre dans la tête des disciples. Les disciples, évidemment, n'ont que des motifs de joie et d'espérance. On pourrait dire que leur désir de gloire humaine, leur désir que leur maître d'abord soit reconnu pour ce qu'il est, et aussi eux, par répercussion, ce désir vient un peu à exécution. Jésus a manifesté sa puissance, il est reconnu enfin. Et petit détail de plus, c'est que parmi les Grecs qui sont venus à l'occasion de la fête de la Pâque, qui sont montés à Jérusalem, eh bien voilà que certains déjà demandent à rencontrer Jésus. On pourrait dire avec les mots d'aujourd'hui, c'est le début de la percée internationale de Jésus. Donc ayons un peu ce contexte en tête, la montée sans doute de tentation, de gloire mondaine, de gloriole, de réputation de Jésus, pas pour lui, hein, mais pour le groupe des disciples, puisque évidemment ils partageront la renommée et le succès de leur maître. Et voilà que Jésus va répondre tout autrement. Il va bien parler de la gloire, mais nous allons le voir d'une manière tout à fait différente. Et le premier événement que nous donne à voir ce passage de Saint Jean, ça n'est rien moins qu'un équivalent de l'agonie de Gethsémani que nous trouvons chez les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Vous savez que Saint Jean n'a pas laissé de récit de l'agonie de Gethsémani. On peut dire que c'est le passage que nous trouvons ici, en ce chapitre 12, qui en est l'équivalent. Relisons le texte. « Maintenant, je suis bouleversé. » C'est Jésus qui parle. « Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ?
Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Nous sommes rendus témoins en quelque sorte de ce qui se passe dans l'âme profonde de Jésus. Vous le voyez, c'est un déchirement, c'est une souffrance inouïe. Son âme est bouleversée, et bouleversée parce qu'il a évidemment en perspective non pas la gloire à laquelle pensaient les disciples, non pas les chants d'acclamation qui l'ont accueilli à Jérusalem, mais la perspective de la passion qui se rapproche. L'entrée dans Jérusalem, c'est l'entrée dans le temple, et l'entrée dans le temple de celui qui sera l'agneau immolé. Donc voilà déjà une scène très importante qui nous montre que la rencontre de Jésus avec la perspective de sa passion ne se réduit pas à l'instant de l'agonie à Gethsémani, et que très vraisemblablement déjà Jésus a pu avoir ces moments de frayeur intense et en même temps toujours la même réaction, non pas ma volonté mais la tienne. Non pas sauver ma vie, mais la donner. Voilà bien la réponse de Jésus. Père, délivre-moi de cette heure, dirais-je cela ? Non. Non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et nous voilà entrés, vous voyez, dans les paroles de Jésus sur la gloire. Nous voyons déjà que Jésus exclut toute perspective de gloire pour lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est la gloire de son Père, la gloire du nom de son Père. Alors, posons-nous déjà une question peut-être déjà entendue. Est-ce que la gloire de son Père, la gloire du Père, serait d'obtenir la mort sanglante de son Fils ? Évidemment, poser la question comme ça, c'est mettre en avant tout l'aspect scandaleux que pourrait avoir une représentation du Père qui chercherait la mort sanglante, les tortures de son Fils, dont la gloire se nourrirait de cette mise à mort. Ce serait évidemment une représentation de Dieu totalement indigne et révoltante, insupportable pour nous. Il n'empêche, voyez, que nous sommes devant un grand mystère. La gloire de Dieu passe effectivement par la passion de Jésus. Sinon que le Père n'est pas glorifié au détriment de son Fils, le Père va être glorifié par son Fils et aussi par le déploiement de sa puissance dans la passion de son Fils. Et c'est là où nous regardons le mystère pascal dans sa totalité. Oui, la passion dans laquelle Jésus donne librement sa vie, sa passion dans laquelle il est livré aux mains des hommes, et ce sont bien les hommes qui sont les acteurs du mal. Ne nous trompons pas de responsabilité. Ce sont nous les hommes, les juifs présents, mais aussi chacun de nous, les romains représentants de tous les païens, enfin, toutes les générations sont là, au pied de la croix, sur le chemin du calvaire. Nous sommes tous du côté du bourreau, des bourreaux. Mais la puissance de Dieu va se déployer. Se déployer d'abord dans cet acte d'amour incroyable de Jésus qui donne sa vie, mais se déployer aussi dans la résurrection, puisque la mort ne peut l'emporter, le mal ne peut l'emporter, le péché ne peut l'emporter, et là, la gloire de Dieu va apparaître pleinement, évidemment, dans cette grande manifestation. Et Jésus nous donne, nous l'avons entendu, ou nous pouvons le réentendre si nous lisons cet évangile, Jésus nous donne une image de la manière dont le Fils de l'homme va être glorifié. Ça n'est pas donc une glorification humaine, c'est celle du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, mais qui en mourant, va donner beaucoup de fruits. Là, on peut dire qu'il y a un peu de choix de vie et qui s'adresse à nous, chrétiens. Le choix de vie du grain, j'allais dire qu'on met dans une soucoupe, vous voyez, sous verre, qui protège sa vie, dont on prend soin,
le grain mis dans son petit verre, voilà, et qui reste intact, et le grain, au contraire, qu'on va plonger en terre, qui va s'anéantir, qui va être enterré, qui va mourir, nous dit Jésus, le grain qui meurt, mais qui, en mourant, au lieu de rester seul sous verre et de se dessécher, non, ce grain qui va mourir va donner une tige, et puis la tige un épi, et l'épi beaucoup de grains. Dans le cas de Jésus, c'est évidemment une fécondité infinie, la fécondité du salut qui rejoint tous les hommes de tous les temps, et aussi du temps avant la venue de Jésus. Voilà vraiment, vous voyez, la gloire dont parle Jésus, la gloire de son Père, nous l'avons vu, mais aussi la sienne qui n'a plus rien à voir avec la gloire que pouvait donner à voir l'entrée triomphale à Jérusalem. C'est de toute autre chose qu'il s'agit. La gloire de Jésus, c'est que chacun de nous puisse être agrégé à son corps, puisse être transformé, passer de la mort à la vie, puisse devenir un enfant de Dieu. Voilà la gloire dont Jésus nous parle, celle pour laquelle il offre sa vie. C'est notre chemin de disciple. Nous sommes invités, voyez, tout homme qui aime sa vie la perd. C'est un renversement évidemment complet, et nous savons, c'est l'enjeu de notre vie chrétienne, d'accepter ainsi de passer, je dirais, de l'individualisme clos sur soi, du souci de soi, de la hantise de notre bien-être, de la hantise de la reconnaissance que nous pouvons obtenir des autres, à une vie qui bascule dans le don de soi. Tellement humain, évidemment, de vouloir se faire valoir, de vouloir acquérir une sorte de supplément d'être, hein, par la réputation, par la reconnaissance des autres, c'est une impasse. C'est une impasse. Jésus nous montre que le seul chemin de la gloire, c'est celui du grain de blé qui perd sa vie, mais vous voyez, pour la retrouver en vie éternelle et aussi pour la retrouver dans une fécondité, donc la retrouver démultipliée dans une fécondité très large. Alors, demandons au Christ qui est élevé de terre, qui va être élevé de terre, de nous attirer toujours davantage. Vous voyez bien, nous le savons bien, il ne s'agit pas que de notre générosité, elle a sa place évidemment, de notre ferveur, elle a sa place, mais nous savons bien que ce don de soi qui va tellement à rebours de tout ce que nous portons en nous, ce don de soi ne peut être que l'œuvre de Dieu en nous. Alors, demandons-lui, c'est un fruit de cette méditation, voyez, qu'il soit glorifié aussi en nous. De même que le Père a glorifié, que le Fils, que Jésus a glorifié pleinement son Père, bien qu'il nous soit donné de le glorifier aussi à notre mesure, par une offrande de nos vies, un détournement, vous voyez, un changement complet de centre de gravité, au lieu d'être un peu le centre de gravité de toute chose, que ce soit de plus en plus cette volonté de Dieu de salut de l'humanité. Bonjour à tous, je suis le Père Andrés Rivas, prêtre du diocèse d'Avignon. Je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina et de chaque jour dans le site, la chaîne YouTube du diocèse. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ces temps de carême, Sauvé par l'espérance, tous les jours à 18h. Et la deuxième invitation que je voudrais vous faire, c'est pour les conférences de carême cette année. Le point central, le thème central sera Saint Joseph, et elles auront lieu tous les samedis à midi. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps, qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques.